Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Sans investiture MSM pour les prochaines élections, Raj Dayal envisagerait d'être candidat sous la bannière du Mouvement démocratique national. L'ex-ministre a quitté le SunTrust Building avant le début du comité central cet après-midi. Pravin Jugnauth condamne la virulente sortie de Sudhir Sisankar mais écarte toute sanction pour l'heure. Il appelle à l'unité au sein de son parti à l'approche des élections. La commission électorale a tranché, la rose du mouvement patriotique ne reviendra ni à Alain Ganou ni à Jean-Claude Barbier. Leur réaction dans cette édition. Paul Béranger revient sur les difficultés entourant la finalisation de sa liste de 60 candidats et concède que le nombre de femmes candidates alignées est insuffisant. Au numéro 15, Zabine Mourabi remplacée par Fazlek Hosseini. Seules les caméras de Safe City dans les zones résidentielles seront enlevées si le parti travailliste remporte les élections. Précision de Patrick Assiervaden après l'annonce de Navin Ramgoulam à Flak hier. Des centaines de faux profils créés sur Facebook en une semaine. La Cybercrime Unit craint des dérapages et la circulation de fausses nouvelles. Une équipe de patrouille en ligne mise sur pied. Raj Dayal boude le comité central du MSM. Il a quitté le SunTrust Building cet après-midi, avant même le début de cette réunion. Le député sortant de la circonscription numéro 9, Flak Bon Accueil, n'a cependant pas voulu faire de commentaires à sa sortie. Vous le savez, Raj Dayal fait partie de la vingtaine de députés sortants qui n'ont pas obtenu un ticket pour le scrutin du 7 novembre prochain. Toutefois, il se pourrait que Raj Dayal soit candidat sous la bannière du Mouvement démocratique national. Satish Dayal, frère de Raj Dayal, a enregistré ce parti au siège de la commission électorale jeudi dernier. Raj Dayal a été candidat du MDN lors de 3 élections générales et une partielle avant d'être candidat du MSM en 2014. Monsieur Dayal, vous allez ? Vous vous suivez ? Qu'il arrive, il y a une confirmation pour le ticket là, là-bas, numéro 9. Pas de déclaration. Pas de mandant, il dit au retour. Pas de déclaration. Non, pas de mandant, ou avocat, il disait désister quand il y a une proposition. Moi, on réagit à ça. Non ? Nous vous retrouvons, monsieur Dayal. Vous connaissez moi, Dimoun, dit à vous être content ou dans l'endroit. Mais qui raison, hein ? Qui raison, bien ? Non, vous voulez au terrain ? Vous voulez au terrain au moins ? Hein ? Allez, bah, déjà nous. Non, d'où souriant, qui n'arrivait. L'auteur là, moi. Allez, j'ai une petite affaire, tout du monde peut redouer, le radio du monde peut téléphoner. Peut dire radio. Quand vous causez la presse un petit coup. Maintenant, Gérard, je n'ai pas demandé qui fait Raj Dayal, papé. Mais là, on va persister au comité central. Pourquoi pas assister au comité central, monsieur Raj? Hein? Non, mais là, il y a une réunion, là. Quand vous faites la presse, vous connaissez. Je vous dis tantôt. Vous m'avez demandé un peu redouer la circonscription, qui est-ce que vous avez dit? Allez, Ray. Pravin Jugnauth qualifie les propos de Sudhir Sisankar d'inacceptables. Le leader du MSM répondait aux questions des journalistes après le comité central élargi du parti qui s'est tenu au SunTrust Building cet après-midi. Toutefois, le bureau politique n'a pas encore tranché quant à une quelconque sanction. Pour rappel, dans une réunion à Caroline hier soir, Sudhir Sisankar a mis en garde contre la révolte des sympathisants qui n'approuvent pas les candidats imposés dans des circonscriptions. Je le laisse assumer la responsabilité de ses propos, a déclaré Pravin Jugnauth. Je veux dire à tous mes camarades qui peuvent aspirer pour être candidat. Et évidemment, nous faisons le choix. Et je suis content que je me trouve là. Je peux quand même continuer à soutenir nous. Et à tout bon candidat, donc il y a une consigne bien bien claire comment vous travaillez. Il y a un des mécontents qui vient faire tout entendre de sa dernière heure là. Oui, comme ça, il y a toujours un des mécontents, mais vous souhaitez qu'il y ait un des mécontents comme là, tout le monde rentre dans l'autre. Sudhir Sisankar, encore ministre de l'Okété Gouvernement, et l'intenir un mot très dur hier. L'intenir un propos inacceptable. Et le BP qui décide de prendre quitte sanction? Non, non. Laissez à sa responsabilité de ce même propos. La commission électorale a finalement tranché sur le litige concernant la paternité du mouvement patriotique. Ni le clan Barbier-Bema, ni le tandem Ganou-Diol ne pourra enregistrer leur parti sous le patronyme du mouvement patriotique. Toutefois, la commission a recommandé que Alain Ganou complète les procédures d'enregistrement en utilisant le nom de mouvement Alain Ganou pour son parti avec comme symbole une poire.
pour Jean-Claude Barbier. C'est le nom mouvement Jean-Claude Barbier qui a été recommandé, avec pour symbole deux cerises. Sollicité pour une réaction, Alain Ganou affirme qu'il pourra désormais se concentrer sur le travail de terrain aux côtés des membres de l'Alliance Mauricien. Il ajoute qu'après les élections générales, il entamera les procédures légales pour récupérer le sigle et l'emblème du mouvement patriotique. Mon médecin fait à sa bataille juridique là, mon pensée est plus important au terrain. Et il passe en dernier dans mon alliance parce que vous devez connaître le MSM et que le ML enregistré notre alliance sous le nom de mouvement l'Alliance Mauricien. Donc nous, avec ça l'alliance à nous, pour nous contester les prochaines élections générales. S'il y en a une démarche légale pour faire, nous partons après les élections. Après, on prend bonne disposition, bonne mesure qui s'impose. Restez avec nous la suite après cette pause. Du côté de Jean-Claude Barbier, il affirme que lundi, il rencontrera son panel légal pour décider de la marche à suivre. Donc, comme vous le connaissez, nous sommes attendus qu'il y ait si tranché, nous prenons le temps, nous arrivons à une décision. Et vous pensez, ce qui intéresse plus la population, c'est que nous parmi un document qui est fait servir nous il y a quelques minutes là. Et qui contenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraphes. Donc, pour faire une lecture, paragraphes 8 et 9. Après qu'il y une série background, le cas qui est devant eux, quand il y a trois parties qui font apply un au nom qui parle d'Ayen Dranat. La Rosa, et un mouvement patriotique Jean-Claude Barbier, Rose, et un mouvement patriotique Alain Ganou, Rose Flower. Donc, dans ce dernier paragraphe, commission, la commission is of the view that it is not in a position to entertain any of the three above application as submitted. Donc, vous êtes considérés qu'ils ne sont pas capables d'aller de l'avant et qu'aucune de ces trois applications-là, telles qu'ils viennent soumettre à la Commission. Et, in these circumstances, pursuant to Regulation 9.1b, 2 et 3 de National Assembly Election Regulation 2014, the Commission gives you written notice that it intends to register the application made on behalf of an MP. As mouvement d'Ayen Dranet Kepal, avec pour symbole une identification, un mang. Et pour le mouvement patriotique, as mouvement Jean-Claude Barbier, avec symbole two cherries. Et le mouvement patriotique de la Nouvelle Force, un dernier mouvement patriotique, as mouvement Alain Ganou, avec symbole, tenez-vous bien, un poire. Donc, c'est très évocateur, l'attribution des symboles qu'il nous donnait. Et évidemment, nous prenons connaissance de ça, nous pouvons aller en détail de tout de qui contenait de ce document-là. Et lundi, nous pouvons rejoindre nos panels légaux pour étudier en profondeur, à la tête reposée. Et à ce moment-là, nous pouvons guetter si nous avons une action légale qui nous. Si, au cas, sinon on est conseillé, dans quelle direction dépend de ce qui nous panel légal pour Dieu nous lundi.
La préparation de la liste des candidats, pas une tâche facile. Propos de Paul Béranger face à la presse ce matin. Le leader des Mauves est revenu sur la candidature de Zabine Morabi, qui a été remplacée par l'ancien maire de Vakoua-Phoenix, Fazlek Hosseini, au numéro 15. Il y avait des décisions à prendre, selon Paul Béranger, qui dit reconnaître que le nombre de femmes candidates est insuffisant au MMM comme partout ailleurs, mais il affirme que chaque problème a été réglé dans la démocratie. Dans plusieurs circonscriptions, nous tenons un choix à faire. Il y a mettre trois candidats, pas qu'à mettre quatre, pas qu'à mettre cinq. Donc, dans plusieurs circonscriptions, qui a pipe par exemple, qui a pipe aussi l'une pareille. Donc, finalement, il y en a pour choisir. Dans cas circonscription numéro 15, nous tenons pour prendre une décision. Nous prenons une décision hier dans le comité central. Laisse-moi reconnaître tout de suite. Depuis des années, moi, j'ai insisté qu'il nous faisait mettre maximum madame candidat. Nous prenons ça à chaque occasion, chaque l'Assemblée déléguée, etc. Et peine de doute que le nombre de candidates au MMM, ailleurs aussi, mais au MMM, en ce qui nous concerne, pas satisfaisant. On reconnaît ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi tiens insister, nous tiens insister, venez qu'en la loi. Pareil, comment on fait une vote en la loi qui est un tiers ban candidat, candidate pour l'élection municipale, bien ban madame, ban une fille, pareil, nous tiens insister, nous, venez de l'avant. Avec en la loi. Et si vous comprenez que nous l'avons, mauvaise qualité. Mais il est pour bon pour l'île Maurice, mais surtout pour l'avancement de madame et de. Quant à préparer la liste candidat, c'est jamais facile. Moi-même, grand matin, je fais tout ça, moi-même vétéran. Les deux vétérans, c'est moi et madame Delou. 11e fois qu'ils m'ont fait dans une élection générale. Donc 11e fois qu'ils m'ont fait prendre part dans soit 60 candidats, dressent la liste. Mais bon, moi, je connais qui baisent à chaque fois, inévitablement. Ah, si, régional, circonscription, il y en a ce point de vue, etc. Mais nous inquiétons tous les 20 circonscriptions. Donc, inévitablement, chaque élection, il y en a tiraillement, discussion. Le parti travailliste apporte des précisions après l'annonce de Navin Ramgoulam d'enlever les caméras de Safe City lors d'un congrès à Flaquières s'il remporte les élections générales. Le président des Rouges, Patrick Assiervaden, précise que ce sont que les caméras dans les zones résidentielles qui seront enlevées. Ces caméras, dit-il, portent atteinte à la vie privée de la population. Effectivement, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une caméra qui peut veiller la vie privée de Bandimoun, qui peut veiller tout mouvement Bandimoun, il prend l'engagement, il peut faire enlever. Caméra qui pourrait law and order, qui pourrait sécurité routière, qui pourrait protection ban population, pourrait s'en place. Simplement, ban caméra de surveillance, qui est un ajout, qui la police peut veiller mouvement ban public, mouvement la population, veille la vie privée des gens, mettre ban caméra pour qui pointer l'eau la fenêtre ban du monde docteur Ramgoulam, il prend l'engagement pour faire enlever. Voilà la nos propositions pour sa élection là en ce qui concerne ban projet de caméra Safe City qui coûte 19 millions. Plus de 300 faux profils Facebook créés depuis la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche dernier. La Cybercrime Unit de la police accentue ses patrouilles en ligne pour éviter tout dérapage à l'approche des élections. Des actions seront prises rapidement pour faire enlever des publications à caractère diffamatoire sous forme d'incitation à la haine raciale ou encore des propos pouvant troubler l'ordre public. De nombreux faux profils ont été créés et la raison demeure inconnue. Ils sont nombreux les Mauriciens à avoir reçu des demandes d'amis sur Facebook sans savoir qui sont derrière ces profils. Un relevé a confirmé que 300 faux profils ont été créés depuis dimanche dernier. S'agit-il des profils qui seront utilisés pour la circulation des fausses nouvelles pendant la campagne? C'est ce que craint la Cybercrime Unit. D'ailleurs, le Central CID a déjà reçu des instructions du commissaire de police depuis mercredi dernier pour mettre en place une équipe spéciale des officiers de la Cybercrime Unit
sites pour passer au crible les réseaux sociaux. Un travail qu'ils feront de concert avec des officiers de l'Information Communication Technology Authority. La présence des officiers sur la toile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettra d'éviter tout dérapage et de retracer les auteurs de ce type de poste. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.